Et salut tout le monde, c'est Texas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour ma première vidéo. Donc oui, en effet, aujourd'hui, je serai seul, car c'est le premier épisode d'une série que je vais vous faire. Alors en fait, ce sera un let's play sur Minecraft, comme vous le voyez. Et en fait, ce let's play, eh bien, on va le réaliser, mais ce sera un let's play un peu spécial, parce que dans ce let's play, je me contenterai pas de faire une survie absolument banal, mais je réaliserai des constructions en architecture, enfin des constructions diverses et variées qui auront pour but en fait de vous montrer un petit peu mes capacités de construction, mais bon c'est pas trop le but, mais surtout d'apprendre à ceux qui auraient des difficultés en architecture et voilà de faire de l'architecture quoi. Donc sans plus attendre, nous allons récolter du bois. Attendez, voilà, c'est mieux avec l'achievement. Donc je vais regarder tout de suite si jamais je ne suis pas en peaceful. Non, c'est bon, on va rester en normal, c'est très bien. Donc j'espère que cette série va vous plaire, du moins que ce let's play va vous plaire. C'est un petit test, enfin, si jamais je vois que c'est trop long et que ça ne mène pas à grand chose, ben, j'arrêterai, mais vaut mieux faire ça et enfin faire une tentative que de ne rien faire. Donc, nous allons récupérer du bois. Magnifique. Très original. Nous allons faire une table de craft. Oh, benchmaking. Comme c'est beau. Oh là là, je suis trop fort. Je me sens trop. Trop dieu. Alors, on va se poser, on va se poser, on va se poser dans la montagne. Du moins, on va s'ancrer dans la montagne. Les premiers épisodes, évidemment, ce sera pas passionnant, hein, ce sera de la survie normale. Bon, ça vous donnera l'occasion de voir un petit peu ce que je donne au niveau de la survie banale. Où est-ce qu'on va se mettre? J'ai envie de me mettre un peu en hauteur. Tiens, à côté de cet arbre-là, c'est pas mal. Quoique. Bon, il y a pas mal de charbon ici. Vous savez quoi? On va se mettre ici. Voilà. Ouh, belle lave. Alors, des sticks. Encore quelque chose de très original. Une pioche. Oh là là. Ouh, ça lag un petit peu. Voilà. Alors, on va commencer bien sûr par miner de la pierre. De la cobblestone. Ah là là. Bon, je suis vraiment très content de commencer une petite série tout seul. Hein. Ça me fait quand même plaisir de me retrouver un peu tout seul avec vous, petit viewer. Donc, c'est bien beau d'avoir une pioche en bois, mais je préfère quand même la pierre, même si c'est pas trop ça encore. On va se faire un petit abri, hein, rien de bien folichon. Je pense que là, ça devrait être bon pour ne pas dépasser. Ah bah si, je dépasse, bon, c'est pas grave. Est absolument passionnant, n'est-ce pas? Donc je pense que les vidéos feront autour des 20, peut-être 15-20 minutes. Je pense que c'est pas mal quand même. En survie, il faut bien ça, hein, parce que pour récupérer comme je le fais là les ressources, c'est un peu long. J'aurais pu vous faire un let's build en créatif, mais je me suis dit que bon, tant qu'à faire, autant faire quelque chose en survie. Parce que ça, bon, en créatif, c'est un petit peu facile et il y a moins de challenge que de le faire en survie, hein, évidemment. En propos de ça, je pense que je vais aller me chercher un petit peu de quoi grignoter. C'est-à-dire aller buter soit du poulet, soit des vaches. Je pense que les poulets, on va les garder parce que c'est quand même très important. Même si on n'est pas trop là pour parler de ça, mais je pense que c'est quand même important de garder les poulets. Viens là, la vache. Même si la vache, évidemment, c'est aussi important. Mais je pense en avoir assez. Come back home. Tiens, bon, je récupère un petit peu de charbon au passage. Hop là. D'accord, ok. Oh, merci beaucoup. Cette montagne iradine. Ça fait plaisir. Je suis déçu, très déçu. Ah. Ok, j'entends des monstres. On va pas s'aventurer là-dedans.
Parce que c'est pas comme si on n'était pas stuff, mais nous ne sommes pas stuff. Bah c'est nickel, on va pouvoir se cuire un petit peu de viande. Parce que je vais avoir vite la dalle en mode normal. Donc, on va aller récupérer un peu plus de charbon pour faire des torches. Oh là là. Comme c'est original. Bon, pour ceux qui s'ennuieraient un peu dans ces premiers épisodes, hein, je vous conseille peut-être de switcher sur les épisodes prochains si jamais à l'heure où vous voyez cette vidéo ils sont sortis. Mais pour le moment, évidemment, ils ne sont pas sortis. Toute façon, il y aura dans le titre de la vidéo bah, le thème principal de la vidéo. Là, ce sera le début. Donc, je mettrai, je sais pas, introduction ou quelque chose comme ça. Et après, je vous mettrai quand ce sera intéressant. Oula! De la lave. C'est beau. Allons voir ce qu'il y a par là. Alors par ici, nous avons un savanna biome, comme de l'autre côté. Et encore des vaches. Oui, des vaches. J'aime les vaches. Les vaches, c'est beau. Voilà, t'es morte. Et d'ailleurs, j'ai plus rien à bouffer. C'est génial. Ouh. Ouais, je peux plus courir. C'est pas drôle. Donc bah alors qu'il est j'ai toujours pas tourné la deuxième vidéo de IDH épisode 2, saison 2 évidemment. J'ai toujours pas tourné, donc ce sera pour bientôt je pense. Il faudra peut-être attendre un petit peu. Même c'est sûr. Je vais vous faire cette vidéo pour entamer un petit peu notre aventure bah, sans Euclidwood. Ça me fait vraiment plaisir. Non, ils le prennent pas mal, le Cli. Alors, continuons, continuons. Par là-bas. Voir un petit peu. J'explore un petit peu les alentours parce que c'est quand même intéressant de voir ce qu'il y a. Comme par exemple du poulet. D'accord. Paye ton rollback. Enfin, ton freeze ou ton lag ou comme vous voulez. C'était plutôt un freeze, mais bon. Toi, j'ai envie de te tuer, toi. Tu m'as fait une saleté de toi. Toi c'est pareil toi. Oh là là, ça lag à moitié. On va manger ça. Donc, je pense que je vais aller récupérer un peu de tout ce qu'il faut, de minerai de fer, de cobblestone. Donc petite ellipse, hein, ce sera assez rare dans ces vidéos, mais je préfère quand même faire une ellipse parce que ça risque d'être un petit peu ennuyant de me voir miner. Bon, à moins que je vous montre vite fait la mine optique que je fais. Donc pour moi une mine optimisée c'est déjà du charbon, la base messieurs dames, voilà du charbon pour faire des torches, rien de très folichon, on se cuit ça, on ferme là avant de se faire ken, voilà, alors mine opti, on descend de 4, 1, 2, 2, 3 et le 4. À cet endroit, on pose une torche. Alors, attendez. Je m'embrouille. 1, 2, 3, 4, c'est ça. 1, 2. Là on a 2, 3 et 4 et charbon. Et là on pose une autre torche. Ouais si c'est ça. Attendez. Voilà. Et comme ça pour moi je fais une mine optimisée comme ça. Il y en a qui font du tout droit, bon ça marche aussi, hein. C'est juste que je pense que la lumière est un peu moins bien équilibrée, mais bon, c'est. Chacun son avis, hein. Petit coffre quand même parce que j'ai un peu le seum de tout perdre au cas où. Même si bon, on est en normal, ça devrait pas être trop compliqué. On va mettre un. Ça on s'en fout. Voilà. Ah! N'importe quoi. Donc. Voilà.
Alors, voilà, donc je vais miner et je vous dis à tout à l'heure. Et re tout le monde, donc on se retrouve après une mini séance de ménage, hein, parce que j'ai pas fait grand chose depuis tout à l'heure. J'ai juste récupéré 6 de iron que j'ai trouvé sur le passage. Mais je vous reprends parce que j'ai trouvé une grotte. Donc là, je remonte rapidement pour aller faire cuire ça. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on ait du charbon, donc j'en ai vu là. Voilà, ça suffira. Non, ça suffira pas. Ouais, j'ai miné un petit peu, bon, j'ai juste trouvé du fer. Part ça, rien d'intéressant. Tu me diras, dans une montagne, charbon, c'est quand même assez fréquent. Pour vous dire, j'ai eu une petite magie flippante tout à l'heure. Donc j'étais à peu près sûr de trouver une grotte. Je sais pas si ça a trop d'impact en fait, mais apparemment oui, donc on va partir du principe que oui. Le fait d'entendre un son en fait, un genre de petit screamer là. J'aime bien reboucher. Voilà. Donc, nous continuons. Hop, si c'est bon. On fait cuire ça. Je pense que peut-être il va y avoir besoin de plus de lumière si on va dans une grotte. Donc hop, on n'hésite pas. Ouais si. Tout à l'heure, besoin. Voilà. Go. Go to the grotte. Je vais poser ma hache. Ah, du fight du premier épisode, ça me fait plaisir. Je pose ma hache toute seconde. Voilà. Donc, la hache, on disait. Ici. Go! Allons fight! Ouais, j'entends, on entend bien, c'est... Ouh, bah bonjour! Comment vas-tu? Je peux te rendre un service? Ok, t'es là. Je sais très bien que t'es là, pas besoin de te cacher. Bonjour! Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Bon, bah attends. Ce qu'on va faire, c'est que je pose une torche. T'as pas intérêt à la péter, hein? Je serais vraiment pas content. Je suis là, ne... Ah d'accord, ok, ça se passe comme ça. Ah ouais, d'accord. Attendez, si ça... un spawner, faut pas abuser sur la cacahuète non plus. Voilà, Monster Hunter, c'est ça qu'on veut. Youpi. Par contre, il y en a un deuxième. Peut-être pas trop s'enjailler. Ah. Et voilà, c'est qui le papa? Alors. D'accord. Ok, c'est carrément la ribambelle de Creeper, quoi. Oh, c'est obligé, il y a un spawner, les gars. Failli tomber. J'aurais eu l'air malin. Ah, venez! Arrête de me tourner autour, l'XP. Voilà, là, moi je te viens de bien, te brain. De ce côté-là. Bon, ça. Non, ça suffit pas. Ok, je bats la mort. Voilà! C'est très abstrait. Ah là. Oh, merci beaucoup ça. Alors, allons voir par là. On rush. On rush, j'ai dit. Voilà. Merci de ne pas avoir spawné. Surtout vous, les petits squelettes. On récupère ça avant d'aller s'occuper de Mr. Creeper. Here we go. Here we go to the beach. Bonjour. Oh, de la lave, non? Oui, peut-être. Bonjour. Coucou. Comment tu vas? Oh là, oh là, oh là, on se calme. Ouais, je peux m'arrêter là. Voilà, t'es à moitié coincé, mon gros. Hein. Cherche pas. Voilà. C'est ça qu'on veut. Oh, bah toi, t'es mort. Oh, 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 oh. Oh, oh, calmons-nous, monsieur. Y'a pas, y'a pas... D'accord, ok, ça se passe comme ça, y'a pas de soucis. On s'en bat les steaks, c'est comme ça. Hop, chez vous, c'est carrément un one again. Ah, hop, c'est super fou. Tu ne passeras pas. Vous le passerez. Ah. Bref. Compte, évite de me frapper, s'il te plaît. Merci, si tu me rends mon bloc. Tu me rends mon bloc. On vole pas. On vole pas, j'ai dit. Oh, c'est obligé, y'a un spawner, les gars. Ah,
Voilà. Au revoir. Tu diras bonjour à tes parents. Ah, pas mal ça. Ouh, I like. Enfin, I like. Avant de me faire buter, je veux dire ça. On met là. Ouais. Super les gars! Ah ouais, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc dès le premier épisode, bah on trouve une grotte, voilà. On est un petit peu des big boss. Merde, sauf quand on pose des blocs en iron. On est ouf les gars. Hop là. C'est un peu la fête là. Donc, enfin sauf si tu me fais buter. Par exemple par ça. Ah, quoique là il y a un petit peu dans la merde parce que j'ai deux ouvertures. Faut que tu m'en rajoutes aussi du coup. Ah le bâtard il me déchire. Ah voilà. Ouais elle fait mal quand même. Combien? 5. Ouais c'est déjà pas mal. Bon bah, deux flèches ça fait toujours plaisir. Ici. Ah d'accord, ça rejoint le... Ok. Eh bah super, je suis vraiment content. Les premiers épisodes d'une grotte. C'est plutôt cool. Bon là je sens que je vais me perdre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reboucher ici. On s'en souviendra. Par ce petit trou là. Je peux mettre de torches d'ailleurs comme ça au moins. Je serai sûr que je suis pas allé voir. Voilà. Il nous reste 13 torches. Je sais pas si ça va suffire par contre. Bon là ça paraît sécurisé. Première vue en tout cas. Et là-bas, allons voir. Encore un? Bah là t'es en infériorité gros. Ouais. Oh par contre non non t'es pas en infériorité. En fait je dis de la merde. Parce qu'avec ton arche enchant là je sens bien venir ma mort. Ah non. Le souci c'est que non tu vas pas passer. Parce que le souci c'est que t'es vraiment stuff quoi. Oh si tu me files ton arc, je t'appelle monsieur mec. Ah. Oh putain, oh les gars. Ok bon c'était power 1. Ouais il est un peu endommagé. Bon attendez quand même hein. Ça peut toujours servir. Oh premier épisode ça passe plutôt cool. Je suis plutôt content franchement. Je sais pas combien de fois je vais le dire. Oh les bâtards. Ah mais parce que là. J'ai peur que ça vienne de là. Ça viendra pas de là, on va dire que ça viendra pas de là. C'est en bas. Je sais pas si vous les entendez. D'ailleurs. Non, vous devez les entendre, hein, c'est obligatoire. J'espère que vous les entendez pas trop fort d'ailleurs. Et que vous entendez bien ma voix. On est à 16 minutes de vidéo, sauf erreur. Et on va récupérer de quoi ce stuff. Ou bien faire des trucs en redstone, mais bon. Du moment qu'on n'a pas de redstone, hein, pas faire grand chose. Voilà. Et là-haut. Oh, j'entends de la lave. J'espère que c'est pas au niveau du fer. Non, c'est cool. C'est en bas. Mais je crois qu'il y en a aussi en haut. Ah non, c'est juste là, d'accord. Bah, c'est cool. C'est très cool. On va aller mettre ça à cuire. Hein. On va peut-être récupérer un peu de charbon d'ailleurs. Au passage. Oh non, je dois en effacer. Cool. Bah, par contre, ça veut dire. Ça veut dire pas besoin de minopti. Et ça veut dire super. Parce que ça veut dire que les épisodes s'enchaîneront beaucoup plus vite. Et qu'on aura beaucoup plus vite des maisons. Et des constructions d'architecture. Donc c'est cool. On va se faire un deuxième Funrise. Mais bon je crois que c'est... Ah comment... Bon bref, je me rappelle plus du nom en français. Fourneau, c'est ça. Je sais pas pourquoi je l'ai posé là. C'est moche. Tant qu'à faire de l'architecture, autant commencer dès le premier épisode, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et oui. Acquire hardware. Accent de beauf. Ouais. Ah, là. Tac. Ah, merde. Bon. On va foutre ça. Et ça, voilà. Vous allez cuire bien tranquillement. Et le 8.
On va pousser ça dans le coffre pour le moment parce que je sais pas trop ce que je vais en faire, ainsi que l'arc aussi parce qu'il est un peu endommagé, j'aurais pas envie de le péter, ça pourrait servir pour la suite. Gunpowder. Cobblestone. Cobble plutôt. Bon bah on est plutôt cool. On est plutôt good là. Allons voir dehors. Il fait jour. C'est parfait. Allons chercher un petit peu de bois. Bien évidemment on va utiliser. J'entends. Et oui, c'est ça d'avoir un triton les gars. Je pense que j'aurais entendu même sans triton mais bon. J'aime bien me la péter. Donc, bah là où, d'ailleurs. Niveau 5, premier épisode. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est très cool, sauf si je meurs, mais bon. On prend le risque. Le but c'est de faire un peu de fight. Je t'ai mis tellement cher, gros. Allez, on continue, hein. Attendez, peut-être pas se jeter la dinguelle du loup non plus. En plus, ça doit être un peu sombre sur vos écrans. Voilà. Voilà. Prochaine étape, le lit, donc je vais aller. On va faire un petit tour de reconnaissance là si vous voulez bien. Petit tour de reconnaissance. Pour aller voir s'il n'y a pas des moutons. Parce qu'un lit ça serait cool. À moins qu'on trouve une cave spider avant. Avant la prochaine fois, mais bon, là j'y crois pas trop quand même. Ouh. Du sucre. Ah bah tiens. Ok, magnifique épisode. C'était très cool comme épisode. Est-ce qu'on attend d'avoir. Bah tiens, je vais aller me faire quand même une. Ouais si. Ouais, on va faire le. Tant qu'on peut le faire, hein. On va se faire une. Ah, j'ai oublié le nom. Vous savez, pour couper les arbres là. Réfléchir. C'était. Une cisaille, c'est ça, une cisaille. Oh là là, je bug aujourd'hui. Enfin bon. On va arriver à 20 minutes de vidéo, donc on se fait ça. On récupère le petit mouton là, enfin la laine. Et ensuite je vais vous laisser. Et je vais vous dire hasta luego pour le prochain épisode. Donc voilà. Transformation, attention. Oh c'est magique. Hop là, on va mettre ça là. Bon le problème franchement avec les let's play Minecraft c'est qu'il y en a tellement. Mais bon, moi je vous promets que ce sera un let's play cool. Absolument cool. Let's go to take Len. Let's go to eat some steak. Oh, j'entends une araignée. Ça peut être cool ça. Où vous êtes les moutons? Où vous êtes les moutons? Gérard. Gilbert. Où tu es l'autre? Eric. François, reviens là. Voilà. Ok, bon, je crois qu'il y a de quoi se faire... Ouais, trois lits. Trois moutons, trois lits, c'est bénef. Donc, bah, je vais vous dire à la prochaine pour la suite de nos aventures. Cet épisode n'était pas passionnant, mais bon. J'espère que la prochaine fois, il y aura... Bon, on a quand même réussi à trouver des caves... Une cave. On a trouvé une grotte. Et donc, j'espère que la prochaine fois, ce sera aussi fructueux que cette fois-ci. Salut tout le monde, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est vraiment super cool et ça encourage vraiment à continuer les séries en tout genre et les vidéos en elles-mêmes. Donc abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît et salut tout le monde, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.